Voilà le père, l'école ivoirienne, qui a dit c'est 16 jours. Ah le putain maison. Le bébé Thierry, l'amour pisseré. Ouais, famille, nous sommes ici à la réponse Félicifo. Et bon, il dit Félicifo, bon, il t'a pas qu'on est déjà arrivé. On est déjà arrivé. Le plus dur a été fait. Donc là, on considère qu'on est déjà arrivé. C'est un événement à ne pas manquer. Ici, nous sommes à l'aéroport Zaventem à Bruxelles. Voilà, nous avons quitté nos pays respectifs pour être là. Pour dire au président Kouroun Gbagbo que si on ne nous a pas phasé, vous allez le voir. Voilà, si on ne nous a pas phasé, vous le verrez. Voilà. Donc, le direct a allumé. Le direct a allumé. Nous, on est calé. Voilà, il y a longtemps, on est prêt. Il y a longtemps, on est prêt, on est là, tranquille. Voilà. Chers frères et sœurs, vous allez vivre cela en direct ici. Voilà. Vous allez vivre cela en direct. Parce que c'est très important. Ma qualité de général, là, je devais être là quand même. Voilà. Je devais être là quand même pour rendre les honneurs au président. Voilà. Général Makoso. Voilà. Même si je ne suis pas venu à les armes ici, ce n'est pas grave. Voilà. Ah, mouk misere. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah non. Non, 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 faut pas m'affilier ça, s'il te plaît. Ok, faut pas m'affilier ça. Ok. Bonjour. Je père. Mais à quoi de venir te saluer, voiture à mes coins. Faut quitter là-bas, alors. C'est bon? Tu peux te filmer? Sapeurs pompiers. Voilà, les sapeurs pompiers sont venus nous accompagner, voilà. C'est comme ça. Ça là c'est Pierre, ça. Accident de ça là, ça construit quoi. Donc une petite communauté, hein, se sont réunis ici à l'aéroport parce que vous savez que ici c'est voilà, nous sommes là pour vous dire que on attend. Quand on vous dit des choses là, choses promises, choses dues. Partagez massivement ce direct, hein. Vous allez vivre cela en direct. Je vous dis et je réitère encore mes propos. Si on ne nous a pas phasé, vous allez voir le président Koudou Laurent Gbagbo. Voilà. Il s'en va. Hein, il s'en va. Voilà. Il s'en va dans son pays. Que de la joie. Que de la joie. Voilà. Ah, ça, il y a le pavillon d'honneur, hein. Voilà, nous sommes à l'entrée ici. Voyez-vous, Serge Cassie est là. Tout à l'heure, les VP vont. Je vais leur passer un peu le micro. Hein? Non, et là, report là. Mon frère, depuis qu'il y a attentat ici, c'est bizarre. Hein? Faites très attention. On ne filme pas n'importe quoi ici. Hein? Depuis, il y a eu des petites bêtises ici là. Mais en tout cas, nous sommes au pavillon d'honneur. Voilà. Maître Habib était là tout à l'heure pour nous donner des consignes. Hein. Hello, je crois si. Comment tu vas? Voilà, réponds. Ça a changé. Attendez, voici tout ça. Abidjan via Cotonou. Toulouse, c'est pas là-bas, on va. Abidjan. Côte d'Ivoire. Voilà. Après ça, c'est un autre départ aujourd'hui. Côte d'Ivoire, c'est à 10h55. Voilà.
Donc, soyez prêts. Soyez prêts. Bon, je vais vous passer un peu, le VP va vous saluer un peu. Je vous présente, attendez, je vais vous présenter un homme. Voilà, je vais vous présenter un homme. Alors, on est venu simplement sans les t-shirts tranquilles. Ils sont venus ici à les t-shirts, ça allait créer des bruits. Donc, nous, on est venus en responsable. Bon, je vais vous présenter un homme, il n'est plus à présenter, mais il serait à présenter sur ce direct-là, parce que c'est celui-là même qui nous a rapporté la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, le grand frère Joël Thiéhi. Mon vieux père que j'ai connu depuis tout petit à Mans. Quand je lui ai dit, j'étais étonné, il dit, ah ! Effectivement, il partait voir la famille classe à Mans. Voilà, le juge Cla à Mans. Je vous passe le vieux père Thiéhi Joël, il va vous dire quelques mots. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour mon fils, mon petit frère, le général Babader. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Il te lève davantage pour le combat noble que tu as mené, que tu continues de mener. Effectivement, nous sommes à Bruxelles, à l'aéroport ce matin, voilà, pour accompagner notre papa, notre guide, notre père, celui-là même qui rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un homme de paix, un homme de conviction. Et nous sommes très heureux de pouvoir l'accompagner. Ce matin, il prend l'avion tout à l'heure. Et comme l'a dit le général Babader, dans un court instant, il viendra nous saluer par la grâce de Dieu. Et on lui dira au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Parce que nous allons suivre. Bientôt, nous allons le suivre. Et il rentre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour faire la guerre à qui que ce soit. Il va pour la paix, pour la réconciliation, afin que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Merci. Merci, 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 merci. Vous avez compris un peu. Maintenant, je vais vers le capitaine Maison. Je vais vers le capitaine Maison. Le capitaine Maison, lui, il prend point, mais c'est normal. C'est lui qui a pris la coupe et puis il a remis à Oufo Boigny. L'icône de la Côte d'Ivoire, je pourrais le dire, l'ambassadeur. Tiens Joël. Eh non, Gadi Seri Saint-Joseph, le capitaine. J'ai fini juste ça. Donc, je vous passe en ce moment le vieux père. L'homme le plus bancal de l'histoire des bancales. Tiens Joël, Kakis. Non, il y a Bizi, Maï Gabari. Lui aussi, il est très bancal. Zahui François aussi. Il y a Guizier aussi, hein. Le VP avec Guizier perd son âme. Guizier Lyon, ouais. Il n'était pas Balkan. Non, Laurent Pou. Voilà. Bon, en direct des avertements, Gadi Seri Sejo. Grand frère, vos sentiments aujourd'hui, 17 juin 2021. On a attendu ce jour. On a tous attendu ce jour. Le retour de notre président, le retour de nos présidents. Et si le président Laurent Gbagbo nous dévance, c'est sûr que nous allons revenir en Côte d'Ivoire dans la paix, dans la joie et puis dans la sérénité. Donc, nous sommes venus marquer ce moment, hein, de notre présence. Pour dire qu'on est solidaire de ce départ, de ce voyage. Parce qu'il est venu en bizarre. Et puis il doit aller en triomphe. Donc le triomphe là, ça commence par ici. On nous a dit qu'il ne faut pas en venir, mais comme on est bandit, et puis on aime Gbagbo. On aime Gbagbo. On se dit, on vient s'arrêter ici. Si on l'amène en jet privé, il va nous voir, on va lui dire. Jet privé pour le descendre dans l'avion là, il va nous voir. On est venu pour ça. Hein? Je lui dis, on est avec lui. On est des cœurs. Et Babader, le général, prend ses points. Hein? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Il était petit comme ça. Voilà. Il a fait le combat. Et il continue de le faire. Donc, les gens comme ça, il faut leur donner le respect. Il faut leur donner la considération. Il faut leur donner l'honneur. Donc, Babader, je suis avec François Constantin.
C'est pas si la nuit intensive. On dit quoi? Celui qui chante, il va rien. Y'a pas son deux. Tu veux pas, y'a pas son deux. Voilà, écoutez, nous sommes là, bonjour, nous sommes là, nous sommes à l'aéroport. C'est le grand jour, le grand départ du Woody, le grand départ du chef, du champion. Voilà, le maillot qui manque à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et tout le peuple de Côte d'Ivoire est debout depuis plusieurs nuits. Et nous sommes debout en Europe, nous sommes debout à l'aéroport de Bruxelles, à l'aéroport international de Zaventem de Bruxelles. Voilà, pour accompagner le président Laurent Gbagbo. Voilà, nous avons vu son avocate est passée tout à l'heure, Metadiba. Et puis on le verra dans quelques 2, 3, 4, 5, 10 minutes si Dieu le veut. Parce qu'il y a aussi la sécurité, il y a la CPI, il y a la police, en tout cas il est sécurisé, mais voilà, nous sommes là pour l'accompagner et puis le voir monter dans cet avion direction Babi. Laurent Gbagbo arrive. Apprêtez-vous, il sera dans l'avion dans moins d'une heure et demie. Il sera dans l'avion. Allez, merci beaucoup. Babade, le message est passé. C'est propre. Voilà. Donc, vous avez entendu, non? Vous avez compris. Je suis avec un VP de celui-là même qui a marqué son temps à Kumasi, Dez Bailou. Voilà. Lui, c'est le capitaine de Kumasi. Il est venu soutenir le président. Donc, Dez Bailou, vous avez la parole. Oui. Moi, je suis venu symboliquement à l'aéroport, que je le vois ou pas, c'est pas grave. Moi, je suis venu à l'aéroport pour soutenir le départ d'un monsieur. Parce que ce monsieur, il est ivoirien, il est quand même âgé, il a fait ses preuves. C'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, il a été acquitté, on l'accusait de tout. Maintenant, tout est bon, donc il rentre chez lui. Alors symboliquement, je suis venu pour le soutenir, je suis venu soutenir son départ. Qu'il parte, qu'il fasse un bon voyage. C'est ce que je voulais vous dire. C'est pas du n'importe quoi, parce que n'oubliez pas qu'en Afrique, on suit les politiciens avec émotion. Voilà, celui qui a un bon cœur là, c'est là-bas où on va. Donc j'ai remarqué, j'ai constaté que ce monsieur, il a ses atouts là. Voilà pourquoi je viens de le soutenir, il rentre chez lui en famille. Que Dieu l'accompagne. Merci. Merci. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous sommes à l'aéroport Zaventem. J'aime Félicie Vaubonnier. Je vous ai dit, ça ne nous a pas phasé. Avion, c'est partout, hein. Donc, chers frères et sœurs, vous êtes là, hein, vous aimez les choses comme ça, les trucs, vous aimez les trucs comme ça, historiques, hein, quand il y a des trucs historiques là, voilà, vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez ça, comme ça, comme c'est comme ça, vous aimez beaucoup comme ça, hein, quand on vient vous parler des choses qui sont vraies là, vous serez peu. Donc, on est là, on attend. Je vous ai dit, hein, si on ne nous a pas doublé, vous allez voir le président Laurent Koutou Gbagbo. Voilà. Donc, on est prêt et puis on est là. On dit, ne venez pas ici. On dit, qui a dit de ne pas venir ici? C'est vous qui commandez ici. On viendra. Ah, c'est un reportage, hein. Tout à l'heure, je vais interroger le VPS. Andy, un instant. J'espère que vous serez à la hauteur des partages. Commencez à partager dans le groupe partout. Il y a eu un direct qui peut aussi passer. Il faut partager massivement ce direct-là. Voilà, nous devons marquer ce temps-là, en ce moment précis.
C'est vrai qu'il va venir, votre président? Bon, on l'attend ici. Il doit venir, on l'attend. C'est chouette, non? Merci. Ça monte, hein? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Attendez, je vais vous montrer. Cotonou via Abidjan. Là, voici ça ici. 10h55. Voilà. C'est le départ. On n'est pas là dans les. On n'est pas là dans les rieries. Même les on n'est pas nombreux, si on était nombreux, ça allait créer un peu un petit tohu-bohu. Les gens allaient nous chasser. Donc au calme. Au calme. Oui, ben, ces gens. Tu m'accordes quelques minutes. Tu m'accordes quelques minutes. Tu es direct. D'accord. Oh, je suis avec le grand frère Serge Kassi qui va vous dire quelques mots sur le départ et ses sentiments aujourd'hui 17 juin 2021. Le président Koudou Rangbabo rentre en Côte d'Ivoire. Vos impressions, grand frère? Ben, on ne pouvait pas ne pas être là aujourd'hui pour plusieurs raisons, dont la plus importante, c'est qu'on était là au début. On a remué celle de terre pour faire entendre la voix du président Laurent Gbagbo et prouver et montrer son innocence au monde entier. Et si 10 années après, l'objectif est atteint et que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il était important pour nous qui sommes encore ici de venir l'accompagner. De venir lui dire que nous sommes toujours avec lui et que pour lui souhaiter bon voyage et qu'on a pu être présent et que dans. Que l'histoire, qu'on ne nous compte pas cette histoire-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour au moins lui dire au revoir et puis qu'il prenne son avion devant nous. Et voilà, c'est pour ça que nous sommes là. D'accord, merci bien. Bon, chers frères et sœurs, d'un moment à l'autre, vous avez vu, le départ, c'est pour 10h55 sur le territoire belge. Le avion décolle à 10h55. Voilà, donc on est là, partagez massivement ce direct là, pour qu'aujourd'hui les jaloux savent que c'est la vérité, ça c'est une réalité et c'est la vérité. Gbagbo s'en va. Bon, je vais vous passer au VP, je vais vous dire quelques mots, tu peux VP, vas-y. On attend notre président. Il attend ici pour le voir au moins partir, l'accompagner. C'est comme ça qu'il est normal. Qu'il sache qu'il y a des Ivoiriens ici. Il y a des Ivoiriens ici. Ils l'ont caché, on n'a pas vu. Maintenant, on veut le voir partir. Ils l'ont caché. Comme ça, vous habitez là-bas, vous allez le recevoir bien. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Donc, comme le peuple a dit, Abidjan, nous allons vous prêter le flambeau. Voilà. Nous, on a fini. On a bien creusé tout, on a mis Gbagbo Laurent dedans, on a fermé bien. Vous avez vu s'il y a eu gratiné sur lui? Non. Vous n'avez jamais entendu un incident. Donc s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, on vous remet Gbagbo Laurent clean. Voilà, on vous remet Gbagbo Laurent clean. D'accord. Mais vous qui êtes de l'autre côté de l'histoire, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez, dans la vie, là, c'est pas tout le monde qui meurt. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui comptent l'histoire. Donc, souffrez, souffrez, souffrez. Je vous dis, si on ne nous a pas phasé, le président Koudou Laurent Gbagbo, vous allez le voir. Ah, c'est ce que j'ai dit, oh. Si on ne nous a pas phasé. Voilà. Parce qu'il y a le pavillon d'honneur là-bas, de l'autre côté là-bas. C'est un ancien chef d'État. Nous, on est venu ici pour un bain de foule. Voilà, on n'est pas beaucoup. Ils ont interdit tout ça là, mais nous on a forcé quand même, puis on est là. Les têtus de la République. Donc, est-ce que je sens la fervence depuis Abidjan? Est-ce que Abidjan tremble? Est-ce que Abidjan est en train de trembler en ce moment? Voilà. Vas-y-nous. Est-ce que Abidjan est en train de trembler en ce moment précis? Question. Ouais,
Attends, mets la vidéo, tu vas voir. Koudou assis à côté. Il aime ça, Aziz. Aziz, tu me négliges, hein. Aziz, tu me négliges, hein. Ton vieux est toujours fort. Tu vois le père. On n'a pas le soir. Hein. Tu es assis à côté de moi, hein. Tu veux le voir. Bon, moi, je... Merci bien, chef Faisson, merci bien. On voit ça en direct ici. Ce n'est pas un débat, toi aussi. Ça là, qui allait dormir? Nous, on allait dormir à cause de quoi? Oh, vous jouez. Est-ce que vous me partagez massivement ce direct? Partagez-le. Où le capitaine de Kouma s'est passé dedans? Oh, Desbaoulo, Deschéville. Ah! Les masses ont levé un peu pour respirer. Ah, oh. Est-ce qu'on est dedans là-bas? Ah ouais. C'est pas facile. C'est ça, hein. C'est ça les journaleux. Aujourd'hui, nous, on remplace les journalistes. Voilà. On remplace les journalistes aujourd'hui. Vous êtes veillés en Côte d'Ivoire. Abidjan même tremble. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez appeler sur ce direct-là pour me montrer un peu la ferveur d'Abidjan? Comment Abidjan tremble, hein? Ceux qui sont là à Abidjan, en ce moment précis, le père Gary, c'est les frères. Ceux qui sont à Abidjan, en ce moment précis, est-ce qu'on peut vous appeler en vidéo? Et vous allez nous montrer la ferveur d'Abidjan. De la même que nous sommes en direct ici, là. C'est ça, hein? Ah, c'est ça. C'est pour vous dire, c'est terminé. Par là, ben fini. Tu veux pas, Babo arrive. Est-ce que tu leur as dit que c'est un geste symbolique? Mais ils sont sans. Ils sont là, c'est plus. Ils sont partis là-bas, ils ont un côté. C'est symbolique, c'est qu'on approuve. Ah, c'est ce que les gens ne savent pas. Hein. Les journalistes sont là même, les journalistes sont là, ils sont là. Babou va passer par là. Non, pas plus. Hein? C'est mort, regarde, je pense qu'il disait. Ils sont en train de. L'avion était là à 11h, donc là, normalement, ils sont en train d'embarquer de la cible qui parle. C'est 10h55. Déjà, ouais. Ceux qui voyagent en place d'ancien, ils sont déjà dans la file en train d'aller attendre. Ils sont déjà en train d'embarquer. Ils ont bloqué les gens au niveau d'Aquaba. Ils ont bloqué les gens au niveau de la Kouaba. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est terminé. Bagbo va rentrer à Gombolo. C'est terminé. On est prêt et puis on est là. C'est terminé. Bagbo arrive. On est prêt, puis on est là. Ah, nous-mêmes, tout à l'heure, ça nous prend même en paix de l'avion sur place à la DES. Et puis on est là. Ça va, j'ai sorti mon passeport. On sait jamais. On prend le billet tout de suite. Ah, si ça va pas, tu prends ton billet. On prend le billet tout de suite. Si on prend le billet même, on sera assis à lui dans l'avion. C'est tout. C'est même avion là. Alors. Elle s'est arrivée à Bigal, ils vont pénurer et tout. Si veux, on ne vient plus même. On est à lui. Ils ont barricadé le pont à Kouaba. Waouh.
où ça? Attends, il y a quoi? Abidjan, non, c'est les commentaires. Ils ont barricadé le coin à Kwaba, Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à Abidjan en ce moment, qui sont en train de vivre les instants, appelez-nous, on va voir les images. Ceux qui ont, ils l'ont bourré. Pourquoi ils sont concentrés sur cette porte? Hein? Non, c'est tout sur cette porte. Bébé, tu fais un direct? Non, je te demande. Bon, j'aimerais ici vous donner le verdict final là, comme on a si bien dit, hein. En plus, si on ne nous a pas doublé, effectivement, c'est fait. Le président Koudou Gbagbo, via hein, la bouche des journalistes, le président Koudou Gbagbo est passé à la suite d'honneur, voilà, présidentielle, où les chefs d'État passent. Ici, là, c'est pour les Ouya Ouya. Donc, le président Koudou Gbagbo, on dit, il est dedans là-bas, il est assis au calme, tranquille. Donc, Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, le président à l'enceinte de l'aéroport, tout à l'heure, à 10h55, décollera, va décoller l'avion du président. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes venus ici à titre symbolique, pour marquer ce temps-là, pour dire aux Ivoiriens que nous sommes bel et bien là. Le président Koudou Laurent Gbagbo est déjà au sein de l'aéroport. Je peux bien rentrer pour vous montrer. Ça dépend de vous. Mais elle est déjà là-bas. Mais là-bas, on ne peut pas rentrer aussi. C'est ça qui est le problème. Hello? Il l'a pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Il est dedans. Il est. Vous savez pas? Il dit non, lui, eux, ils l'ont pas vu aussi. On dit qu'il est à l'intérieur. Allô? Il est rentré. Oui? Oui, il est rentré. Il est rentré déjà? Bonjour. Ça va, oui? Je suis déjà là, le pont. Mais viens, on est là, viens. Faut rentrer par les trucs là, faut venir. Oui, oui. 10h55. Tu as le temps. Tu es vers où d'abord? Non, tu peux venir, c'est pas loin. Voilà. D'accord, vas-y, à tout à l'heure. De l'aéroport.
C'est pas cher, hein. Mais si tu viens même quoi, peut-être en est là un peu après, non, on s'en va, on ne dit pas. Hein. C'est que si on est là, il y a 10h55 que le vol décolle, c'est tout. Mmh. Non, je suis pas en voiture. Moi, je suis pas venu en voiture. Mmh. À tout à l'heure. Mmh. Bon, les gars, c'est pas grave, hein. On est là, on était là, on est venu. Même les journalistes même européens, on les a mou. Et même qui voulaient prendre, même qui avaient accès à tout, on les a mou. Donc, ce n'est pas de notre faute, hein. Vous avez vu. Même les journalistes, même, ils sont là. Les journalistes sont là. Oh, c'est quoi ça, là? C'est pas pareil, si vous venez ici, j'ai pris votre numéro, vous allez me fatiguer beaucoup comme ça, hein. Oui, allô? Ouais, je suis en direct là, donc donne-moi quelques temps, je te rappelle, ça va? Non, négatif. Tu sais, il y a des parlé tout à l'heure. Il était pas tout à l'heure. Non, je t'ai dit qu'il a dit, il y a des gens, même les journalistes même belges, les journalistes même turcs, eux tous, il les a tous, il a passé de l'autre côté là-bas. Eux tous sont là. Andy, il est dedans. C'est mon frère, j'ai compris. Andy, il est dedans. Voilà, il est dedans. Uh-huh. Merci. Bon, chers frères et sœurs, ce n'est pas de notre faute. On a voulu marquer cet instant-là. Comme vous savez que l'homme-là, c'est un esprit. Hein? On peut dire que Gbagbo est comme ça, mais Gbagbo est derrière de l'autre côté. Donc, faisons très attention. Le président Koudou Laurent Gbagbo est à l'enceinte de l'aéroport. Il n'est pas passé par ici comme convenu parce que c'est un président. On devait s'attendre à ça. Mais nous sommes venus ici pour marquer symboliquement parlant. Même les journalistes, le président Koudou Laurent Gbagbo les a niqués. Voilà. Eux-mêmes étaient dans l'enceinte là-bas. Mais les voilà ici. Les voilà, vous voyez, ils sont en train de prendre les photos. Voilà, pour faire aujourd'hui le reportage, pour leur dire effectivement ils étaient bel et bien ici à l'aéroport. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de votre faute. On voulait faire ça, mais malheureusement, voilà. On a cru que le président allait venir avec bain de foule, mais malheureusement le bain de foule ne sera pas pris. Mais ce n'est pas bien grave, vous savez, c'est une histoire de sécurité, et quand ça y va de la sécurité, ce n'est pas la sécurité ivoirienne ou bien la sécurité. Voilà, c'est la sécurité de la CPI qui accompagne le président Koudou Laurent Gbagbo. Ils sont un collectif au moins de combien de personnes qui vont à Abidjan. Donc, c'est pas bien grave. Mais restez connectés. Hein? Restez connectés toujours. On est là pour la vérité. On est là pour. Abidjan, est-ce qu'on peut vous sentir en image? Il dit ceux qui sont à Abidjan là. Maman, la CCOD, il est passé où? Il est passé dans le truc d'honneur là-bas, le sous-sol là-bas. Allez, c'est un président. Hein? Maman, la CCOD, allez, c'est un président. Oh, la madre, le VP s'est brûlé sur le côté. Le VP s'est brûlé sur le côté. Mais c'est pas bien grave, hein, ne sais pas. Merci bien, Lucie Akura, toujours fidèle, mais c'est comme ça. Nous sommes là toujours dans les grands événements. Quand il y a les grands événements, ils ne l'ont pas caché. Allez, c'est tout de sécurité, non, regarde quoi. Hein? Abidjan, c'est que c'est grave, hein? Abidjan, là, c'est grave. Ouais, c'est devenu réalité. Dans l'amusement là, c'est devenu réalité. Ouais, c'est vrai, hein? Il s'en va vraiment. Par exemple, on était assis à la maison, on a raconté du n'importe quoi. Non, Babou va pas partir, Babou va caca, Babou va faire ça, Babou va faire ça, Babou va faire ça. On est ici. On a vu Abiba Touré. Elle dit, ils sont dedans. Peut-être il va passer ici pour vous saluer, peut-être. Voilà, on dit peut-être. Mais peut-être aussi il n'est pas passé. C'est pas bien grave, ça roule.
J'ai dit, je vais voir les images d'Abidjan. Ceux qui sont dans mon direct là, ceux qui sont en direction à l'aéroport, pour aller à l'aéroport là. Je vais voir une personne ici m'appeler ici, qui en ce moment en Côte d'Ivoire, qui vit en ce moment, qui est en direct, je l'appelle ici, pour vivre la scène là. Mais je veux voir. Quels sont ceux qui sont en ce moment précis, qui sont en train d'attendre en ce moment en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup à dire derrière Abidjan. Bon, chers frères et sœurs, je vais vous revenir tout à l'heure. Merci à tous. Merci. C'est toi tu vois. Si j'allais taper goudron, c'est toi tu vois. Sorcier de brousse. Bon, je vous montre tout à l'heure, nous allons vous montrer le départ du vol. C'est tout ce qui nous intéresse. Merci, à tout à l'heure. On est ensemble, on n'est pas mélangés. Ciao.